Le livre de la méditation et de la vie, Krishnamurti, 12 janvier. Apprendre n'est jamais d'ordre accumulatif. Apprendre est une chose, acquérir des connaissances en est une autre. Apprendre est un processus continu, pas un processus additif dans lequel on accumule pour agir ensuite sur ses bases. La plupart d'entre nous engrangeons les connaissances dans notre mémoire, sous forme d'idées. Nous les stockons sous forme d'expériences. Et c'est sur ces bases que nous agissons. Autrement dit, nous agissons sur la base du savoir technologique, du savoir en tant qu'expérience, en tant que tradition, du savoir lié aux tendances particulières qui nous sont propres. C'est à partir de cet arrière-plan d'expérience, de tradition, de savoir accumulé que nous agissons. Rien ne s'apprend par un tel processus. Apprendre n'est jamais un processus d'accumulation. C'est un mouvement perpétuel. Je ne sais si vous vous êtes déjà vraiment demandé ce qu'est apprendre, acquérir des connaissances. Apprendre n'est jamais d'ordre accumulatif. Ce n'est pas stocker des connaissances comme si c'était des marchandises, pour en faire ensuite le support de l'action. On apprend en chemin, à mesure que l'on avance. Il n'y a donc jamais un instant de régression, de détérioration ou de déclin.